C'est beau avoir un fourgon, on a beau vous dire, je ne sais sur qui, peu importe qui le dit, mais on entend, on lit parfois sur les forums, c'est inutile de faire un test d'étanchéité, c'est une arnaque des constructeurs, des machins ou quoi. Ben, il s'avère que là, la réparation qui est faite dans l'atelier dans lequel on se trouve, il y en a pour à peu près 3000 balles de réparation pour avoir recommandé les pièces, main d'œuvre, temps de pose, de dépose, tout ça. Il y en a à peu près pour 3000 balles qui seraient à 100% pris en charge par la garantie si l'étanchéité est faite tous les ans. Voilà, et si vous faites le calcul du nombre de tests d'étanchéité sur le temps de garantie, ça ne coûte pas 3000 euros. Donc ça n'arrive pas sur tous les véhicules, évidemment, mais... Je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir montrer ça. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et dans les ateliers de camping-car, c'est là où on a le plus de chances d'en trouver, puisque si vous n'avez pas de problème d'étanchéité, vous n'allez pas mettre votre véhicule à réparer. Voilà, petite info qui me semble intéressante. Ciao !